مولانا آدم شيخ سليم مروان قاري منصور حافظ أكبر فوتوس مؤمنين المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم رسلك وأنبيائك. اللهم رب العالمين زد الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته البررة المتقين وعلى تابعيهم بإحسان وعلى الأولياء والعلماء وسائر الصالحين. اللهم رب العالمين نسألك المدد، أمدنا يا ربنا بأمداد نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، المدد المدد يا رسول الله، الغياث الغياث يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، المدد المدد يا سائر أنبياء الله أجمعين عليه الصلاة والسلام، المدد المدد يا أولياء الله الصالحين. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وعبادك الصالحين الراضين المرضيين. Et à l'occasion du Urs de Mawlana al-Sheikh Gharib Nawaz, al-Sheikh Hassan al-Sanjari, al-Sayyid al-Husayni, nous l'appelons et nous lui implorons à lui aussi al-Madad, lui le grand Waliullah, al-Madad al-Madad, ya Sayyidi ya Gharib Nawaz, al-Madad al-Madad, ya Sayyidi ya Wali Allah, al-Madad al-Madad, يا سيدي يا من عملت بشرع الله. الله سبحانه وتعالى donne à qui il veut ce qu'il veut. Et Allah تعالى il dit لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Lui رب العالمين n'a pas de compte à rendre. Mais tous ils ont des comptes à rendre. Nous tous يوم القيامة nous allons rendre des comptes. Allah Ta'ala, lui, il privilégie qui il veut par ce qu'il veut. Allah Ta'ala, il dit, en parlant de la hikmah qu'il donne, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ. Il donne al-hikmah, la sagesse, à qui il veut. Rabbul Alameen, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lui, le Tout-Puissant, Allah Ta'ala qui a créé les cieux et la terre, il a élevé les cieux et il n'y a pas de abad, il n'y a pas de poteau qui tient. Il n'y a pas de poteau qui tienne ce ciel. Rabbul Alameen, alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu. Lui qui crée ce qui existe et qui le remettra encore en existence, lui, la yu'jizuhu shay'un fil ardi wa la fis sama'. Rien n'échappe à sa puissance, ni dans la terre, ni dans le ciel. Lorsque Rabbul Alameen donne la wilaya à un abd, à un banda, Allah Ta'ala fait ce qu'il veut. Et c'est un privilège de sa part. Et rien de cela n'est impossible de la part de Rabbul Alameen qui peut tout. Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné les mu'jizat aux anbiya kiram, il a donné aussi les karamat aux awliya azam. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par sa rahma qu'il a accordé à cette humanité l'apparition des anbiya kiram pour nous guider. Et les héritiers des anbiya kiram alayhim salam, voilà les ulama kiram. Et parmi les ulama kiram, les awliya azam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié. Et comme nous n'avons pas eu l'occasion de voir les anbiya et leurs mu'jizat
nous avons l'occasion d'avoir parmi nous, siècle après siècle, génération après génération, des grands ulama héritiers des Anbiya, alayhi salam, et des Awliya qui sont parmi les ulama. Il est à savoir que lorsqu'on parle de wali, la question de wali n'est pas une question de divergence entre les ulama. Ça veut dire le principe même qu'un wali existe et des awliya existent. Ce principe-là, c'est quelque chose qui est déclaré dans le Coran al-Karim. Dans la parole de Rabbul Alameen, « Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun » Allah Ta'ala les cite dans le Coran al-Karim. Les awliya pour Allah Ta'ala, il n'y a pas de crainte à leur sujet et ils ne seront en aucun cas tristes et chagrinés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim « Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu » Ceux-là qui ont dit « Rabbuna Allah » Notre Rabb c'est Allah « Thumma istaqamu » Et puis après ils ont marché dans la droiture « Istaqamu »« Thumma istaqamu » Ça veut dire dans leur quotidien, dans leur vie, ils sont droits. Ils pratiquent la droiture. Ils y sont d'une manière constante. Ça c'est Awliya Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim qu'il y a des karamat, des Awliya. Voilà ce qui est cité dans le Coran al-Karim par rapport à Sayyida Maryam alayha salam. Voilà ce qui est cité dans le Coran al-Karim par rapport à ce Wali Allah Ta'ala qui était parmi les sahaba de Sayyiduna Sulaiman alayhi salam, qui lui a apporté le trône de Bilqis avant que le regard de Sayyiduna Sulaiman alayhi salam ne se saisisse ce qu'il a vu. Le Ifrit min al-Jinn, il a dit, moi je te l'apporte qabla an taquma min maqalik, avant que tu te lèves de ton assemblée. Mais le wali Allah Ta'ala plus fort, il a dit, moi je te l'apporte avant que ton regard, lorsque tu regardes, ton regard revienne avec l'information. Avant cela, tu auras le trône de Bilqis. Sayyiduna Sulaiman alayhi salam à Jérusalem et le trône de Bilqis était au Yémen. Les karamat des awliya, voilà quelque chose qui est établi dans le Coran et dans la Sunna Nabawiya. Et lorsque nous fêtons les awliya kiram, ce n'est pas parce qu'une poignée de fanatiques ou de jahils nous disent un tel wali ou pas wali. Il s'agit là de témoignages des grands ulama de la umma. Il y a une règle dans la croyance musulmane, dans les livres, les traités de croyance. Ils nous disent, on ne reconnaît pas le wali à partir de la karama, mais on reconnaît la karama à partir du wali. Ça veut dire, sachant qu'il est wali Allah, sachant qu'il est mustaqim et droit, sachant qu'il est alimuddin, sachant qu'il est avec les critères hérités des akhlaq de Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'il est constant dans thumma istaqam, de ceux-là qui correspondent aux critères qu'on connaît dans le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala il dit as-sadiqin wal-qanitin. Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ceux qui sont généreux, qui sont sabirin, etc. Beaucoup de versets du Coran al-Karim. Ceux-là qui sont humbles. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Les عباد du tout miséricordieux qui foulent la surface de la terre هونا, avec humilité. Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde pas la wilaya à celui qui a un cœur sali. C'est une amana, honneur de la part de Rabbul Alameen. Ça habite un cœur pur et propre. Et voilà les awliya kiram. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte afin que l'on soit généreux, afin que l'on soit sincère, afin que l'on soit bon pratiquant, avec tous les critères de ce qu'on appelle caractéristiques de husnul khuluq. Voilà
à quoi ressemble Waliyullah Ta'ala. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam blâme des akhlaq, eh bien les awliya kiram, ils sont les plus loin de ces akhlaq blâmés. Allah subhanahu wa ta'ala dresse entre les awliya et les autres deux chemins. Il nous montre deux chemins. Ceux-là qui choisissent la dunya ne sont pas des awliya. Ceux-là qui choisissent l'akhira et qui délaissent la dunya, voilà ceux-là qui marchent dans le chemin des awliya kiram. Lorsque Sayyiduna Imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala anhu, il dit, lorsque Imam al-Shafi'i radiallahu ta'ala anhu, il donne la même déclaration. Il dit, si les awliya ne sont pas parmi les fuqaha et les ulama, alors benawali. Si les awliya ne sont pas de parmi les ulama et les fuqaha, alors il n'y a pas de wali. Forcément, un waliullah ta'ala correspond à ces critères-là. Et quels critères? Al-akhlaq dont on a parlé, le sabr dont on a parlé, al-qunut, al-khushu', al-istighfar, al-sabirina fil ba'sa'i wa dharra, al-munfiqina fil sarra'i wa dharra, al-munfiqin, al-sabirin. Voilà des critères que l'on connaît dans le Coran al-Karim et que l'on connaît dans le Hadith al-Sharif. Et à partir de là, on sait de quoi il s'agit. Pas de gens orgueilleux. Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas cette wilaya à ceux-là qui sont dans l'arrogance et dans l'orgueil. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim, وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا par rapport à الْجَنَّةِ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ceux-là qui ont fait sabr et ceux-là qui ont une chance éminente. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné l'exemple par Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque il s'agit de tous ces akhlaq, il s'agit en plus de cela de ilmuddin. Ilmuddin, comme il l'a déclaré Sayyiduna Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala. Et comme il l'a déclaré Imam al-Shafi'i radiyallahu ta'ala. Ajoutez à ça une précision majeure. Ce ilmuddin, cet enseignement, c'est l'enseignement de Ahl Sunnah wal Jama'a. De quoi il s'agit l'enseignement de Ahl Sunnah wal Jama'a? Les traités qui nous expliquent qu'est-ce que la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, ça n'a pas été une découverte d'hier. Ça n'a pas été une découverte d'avant-hier. C'est depuis les Sahaba Kiram qu'on connaît la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Depuis les Tabi'in et les Tabi'in Tabi'in. Imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala, il a écrit 5 petits livres sur l'aqida. Qui veut connaître l'aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a depuis cette époque-là? Lui qui est né l'année 80 de l'Égypte, ça veut dire fin du 1er siècle de l'Égypte, et qui est intiqal l'année 150 de l'Égypte. Lui, avec ses 5 traités, il nous explique qu'est-ce que l'aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et pareil, après lui, des ulama ont écrit. Et puis après, on est arrivé à l'époque où Imam al-Ash'ari, radiallahu anhu, Imam al-Maturidi aussi a écrit. Et puis après, d'autres par la suite ont écrit. Imam al-Bayhaqi, et ainsi de suite. La aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a n'est pas une découverte d'hier. C'est depuis le 1er siècle de l'Égypte, on sait ce que c'est. Et alors, il s'agit principalement de reconnaître l'unicité de Allah Ta'ala et que Allah Subhanahu wa Ta'ala n'est pas un corps. Que Rabbul Alamin n'habite pas dans le ciel. Que Rabbul Alamin pas assisé, pas de côté. Que Rabbul Alamin rien ne lui ressemble. L'aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a principalement par rapport à Rabbul Alamin. Que Allah Azza wa Jal ne ressemble pas à ce qui est créé. Tout ce qui est créé dépend d'Allah et Allah ne dépend de rien. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Imam Abu Hanifa radiallahu ta'ala anhu, il dit, si l'istiwa, parce qu'on parle de l'istiwa ala l'arche de Rabbul Alamin, était assisé sur le trône. Alors avant l'arche, avant l'existence de l'arche, Allah, il était où? Rabbul Alamin, il a toujours été
tel qu'il est, Allah ne change pas. Allah, lui, le créateur des endroits, de l'espace, du temps, il ne dépend ni d'espace, ni de temps. Et cette aqidah-là, c'est celle que Sayyiduna Imam A'zam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala n'a pas cessé de répéter. Et ses élèves après lui, les tabi'in et les tabi'in tabi'in, on connaît leur déclaration là-dessus. Et ainsi jusqu'à aujourd'hui. Ça parle des anbiya kiram. Que les anbiya kiram, ils sont préservés. Les anbiya kiram, alayhim as-salam, ils sont parfumés de nature. La baraka dans leur corps, dans leur transpiration, ils sont les plus beaux physiquement. Ils ont la plus belle éloquence. Les anbiya kiram, alayhim as-salam, leur corps est préservé dans cette vie et dans l'au-delà. Dans cette vie et dans le qabr. Le corps des anbiya kiram ne se décompose pas, ni sur la terre, ni dans la terre. Les anbiya kiram, alayhim as-salam, il ne faut pas croire ceux qui vous disent que des bébêtes sortaient du corps de Sayyiduna Ayyub, alayhi salam. Et lorsque on est venu me dire un jour, tu es en train de nous apporter une nouvelle aqida, de quel droit tu dis, les bébêtes ne sortent pas du corps de Sayyiduna Ayyub, alayhi salam. J'ai dit, je n'ai répété que ce qui est dans les livres de l'aqida, depuis longtemps et des siècles et des siècles. Les Anbiya, ils sont ma'soum des amrad munafira, kal juzani wal baras. Voilà les textes de l'aqida. Les anbiya, leur corps, sont préservés de tout ce qui est munafir. Ça veut dire tout ce qui est repoussant, tout ce qui est répugnant. Tel que al-baras, ça c'est un changement dans la peau. Al-juza est n'importe quelle maladie refoulante ou repoussante ou répugnante. Jusqu'au jour où je demande à Imam Bilal, je lui dis, mais dans Bahari Sharia, mais Bahari Sharia, c'est un livre qui explique aussi l'aqida. Et c'est un livre de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Regarde, moi je ne connais pas bien le Urdu. Et regarde, et il trouve la même règle. Il trouve que Mawlana Amjad Ali, qui est un des grands ulama de Ahlus Sunnah, et qui se réfère dans les commentaires à Mawlana Ahmad Rida Khan al-Barili, radiallahu ta'ala anhu, le grand Mujaddid, qui dit la même chose, les anbiya kiram, leur corps sont préservés de toute maladie repoussante, trifoulante et répugnante. Voilà donc l'aqida. Ahlus Sunnah wal Jama'a n'ont jamais cessé d'exister. Ahlus Sunnah wal Jama'a, ce n'est pas une petite poignée de l'Inde ou du Pakistan. C'est la majorité des musulmans de la terre. C'est ainsi depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette umma, la majorité toujours, elle suit l'exemple de la sunna du Habib sallallahu alayhi wa sallam. En matière de référence par rapport à Rabbul Izz, les attributs d'Allah azza wa jal, ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce que a enseigné Mawlana Amjad Ali dans Bahari Shari'at. Pas seulement pour les anbiya que je viens de citer, même quand il a parlé de la préservation par rapport à Rabbul Alamin, la préservation de l'aqida, de tout ce qui l'entache de croire à des ressemblances quelconques. Et il dit clairement, Rabbul Alamin, pas dans un makan, pas dans un endroit, pas dans un espace. Rabbul Alamin, pas de sourah, pas d'image à son sujet. Rabbul Alamin ne dépend pas du temps. Ça c'est Bahari Sharia qui le dit. Et certainement, chez Qari Mansour, il va pouvoir, si jamais il a envie aujourd'hui d'en parler, ou à un autre moment, certainement il connaît ça encore beaucoup plus que moi, parce qu'il connaît très bien ce livre, et il a traduit une bonne partie de ce livre. La même affaire avec Mawlana Ahmad Rida. Sachez bien une chose, que lorsque on parle des ulama de Ahl Sunnah, qu'ils soient de l'Inde, du Pakistan, de l'Égypte, de la Palestine, de Mecca ou de Médine, tant qu'on est dans le registre de Ahl Sunnah wal Jama'a, vous avez la même aqida, ça ne change pas. Vous avez la même référence dans l'aqida, ça ne change pas. Et lorsque Mawlana, le grand sultan parmi les awliya, Sayyiduna Abdul Qadir al-Jilani radiallahu ta'ala, a expliqué l'aqida de Ahl Sunnah,
la même affaire. Il était de ceux qui étaient en train de défendre cette même aqida. Et lorsque Mawlana, Cheikh Hassan al-Sanjani Ghalib Nawaz, radiyallahu ta'ala an, il est considéré comme waliullah, c'est parce que aussi, au départ, on savait très bien qu'il était un grand allama. Son histoire, il est connu. Lorsque, à l'âge de 15 ans, il rencontre ce waliullah ta'ala, qui vient de passage dans sa ville natale. Et après, il ressent les lumières au fond de lui. Il quitte, il vend tout ce qu'il a et il part où? À Bukhara, dans l'Asie centrale, dans les madrasas, pour devenir un grand allama. Et de là-bas, il va rencontrer un grand waliullah, un grand parmi les plus grands avec qui il a pris la bay'a. Et c'est de là que vient le terme al-Jishti. Car Jisht, c'est un village en Afghanistan. Ça n'a rien à voir avec l'Irak, rien à voir avec Ajmir ou Lahore ou l'Inde. Jisht, c'est un village du côté de Herat, en Afghanistan. Ce waliullah ta'ala, il était engagé dans une bay'a qui remonte jusqu'aux anciens et ils avaient donné bay'a à quelqu'un de Jisht. Et c'est là la référence Jishti. Lui-même Jishti par rapport à cette bay'a qu'il avait donnée. Et il repart à Mecca. Là aussi, c'est pour rencontrer encore davantage de ulama jusqu'à ce qu'il reçoive l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui donne cet ordre de partir en Inde. Et particulièrement de s'installer à Ajmir. Là où il vient pour s'installer, il y avait des mouchriquins. Mais lui, soutenu par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas peur des mouchriquins. Lorsqu'ils viennent pour l'empêcher de rester dans la plaine où il se trouvait, il quitte avec les fuqara, les soufis avec lui, mais les chameaux du roi restent par terre, ne peuvent plus bouger jusqu'à ce que Mawlana Ghalib Nawaz accepte qu'il bouge. Et lorsqu'on leur interdit de boire du lac, il ordonne à un de ses mourides d'aller prendre l'eau du lac dans sa gourde. L'eau du lac entre dans la gourde. Lorsque le roi il vient avec sa cour et avec ses soldats et avec ses amis, il leur dit voilà, si vous pouvez reprendre l'eau de la gourde et remettre l'eau dans le lac, faites si vous le pouvez la petite gourde. Personne n'a pu la soulever. Jusqu'à ce qu'ils donnent eux leur engagement que ça ne change, ils vont changer de politique. C'est là qu'ils donnent à son mari de l'ordre de reverser l'eau dans le lac. Karama d'un waliullah. Et il n'a pas peur des mouchriquins, soutenu par le madad de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque un charlatan essaye de faire quelque chose de surprenant devant Mawlana Ghalib Nawaz, il jette un tapis de peau dans l'air qui disparaît et lui il monte comme ça dans l'air. Sayyiduna Ghalib Nawaz ordonne à ses savates de s'élever encore dans l'air, de taper ce charlatan sur la tête, de le faire tomber par terre. C'est pour dire, en matière de aqida, même un charlatan, ça peut lui arriver quelque chose de surnaturel. Mais dans ce cas-là, on l'appelle istidraj. C'est quoi le istidraj? C'est un piège pour les imbéciles. Un piège pour ceux qui ne raisonnent pas. Parce que, en matière de iman, les ulama, le sunna wal jama'a, exhortent notre intellect, notre raison et notre intelligence. Afin de comprendre et afin de dépendre des critères de la charia. Et non pas de ce qui est seulement surprenant, même si c'est surnaturel. Et alors, Sayyiduna Ghalib Nawaz, de sa part, c'était une karara, parce que lui, il est waliullah ta'ala. Lorsque nous appelons Sayyiduna Ghalib Nawaz et on lui demande al-madad, ce n'est pas du shirk, c'est quelque chose qui est haqq. Et waliullah ta'ala aide même de loin. Lorsque Sayyiduna Omar radiyallahu ta'ala l'année 18 de l'Hijr, lorsque il a décidé de faire salat al-istisqa, la demande de pluie, il a fait quoi? Il a fait tawassul, il a pratiqué la wasila par Sayyiduna al-Abbas, le tcha-tcha du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la version de Bukhari Sharif, il est dit que
les rend comme ça, Sahih al-Bukhari, que Sayyiduna Umar radiallahu ta'ala an, il avait dit, Allahumma, inna kunna natawassalu ilayka binabiyina fatasqina. Ya Allah, nous pratiquions al-wasila par notre Nabi et tu nous donnais la pluie. Et maintenant, natawassalu ilayka bi'ammi nabiyina fasqina. Nous faisons wasila maintenant par l'oncle, le tchatcha de ton Nabi, alors donne-nous la pluie. Et c'est ainsi qu'ils l'ont reçu. Sayyiduna Omar radiallahu ta'ala, lorsqu'il a pratiqué cette wasila par Al-Abbas, les Wahhabis nous disent, mais parce que Nabiullah sallallahu alayhi wa sallam était intiqal, il ne pouvait plus faire wasila par quelqu'un qui est intiqal. Nous, à l'Sunna, nous leur disons non. C'est pas pour ça, c'est pour que Sayyiduna Omar nous apprenne qu'il n'a droit de faire wasila par Awliyaullah ta'ala aussi. Et non pas seulement par Nabiullah alayhi salatu wassalam. Et même lorsque Sayyiduna Omar radiallahu ta'ala an, il a expliqué cela. Il a fait une khutba. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam considérait Al-Abbas comme son papa. Il le traitait avec égard, respect. يعظمه ويفخمه ويبر قسمه. Il le magnifiait, il le respectait. Et lorsque Sayyiduna Al-Abbas jurait par Allah, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il réalisait le serment de Sayyiduna Al-Abbas. Alors il a dit فَاقْتَدُوا بِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ فِي عَمِّهِ الْعَبَّاسِ. Alors, ô vous les gens, suivez, obéissez à l'exemple du Nabi sallallahu alayhi wa sallam par rapport à son oncle, son tchatcha, l'Abbas. وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ. Et prenez-le comme wasila pour gagner de la part du Rabbul Alameen. Ça c'est l'aqidah de Ahlu Sunnah à partir du Hadith Sharif, à partir de ce que faisaient les grands sahaba kiram radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Et Sayyiduna Omar radiyallahu ta'ala anhum, le jour où il était sur le minbar en train de faire sa khutba de vendredi, par moment il arrête de parler au musalli devant et il commence à s'adresser à un des commandants de l'armée musulmane en Iran, à Nahavand. Et il commence à l'appeler, il dit Azariya. Il l'appelle par son nom. Ya Sariya, al-Jabal, al-Jabal. Attention, la montagne, la montagne. Ça veut dire, il est en train de lui donner le signal que derrière la montagne, il y a l'ennemi qui t'a préparé un guet-apens. Alors, fais attention, il a fait un retournement, Sayyiduna Sariya. Il a trouvé effectivement l'ennemi et il a gagné la guerre. Sayyiduna Omar, radiallahu ta'ala, anhu, par cette karama, parce que c'est un grand waliullah ta'ala, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a aidé des musulmans à des centaines de kilomètres, à des milliers de kilomètres loin de lui. Comment il a pu faire ça? C'est parce que un waliullah peut aider quelqu'un qui est absent. Et lorsque nous demandons à quelqu'un comme Sayyiduna Ghalib Nawaz, absent ou intiqal, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accorde beaucoup de privilèges afin qu'il nous aide et qu'il nous soutienne. Nous croyons en les awliya kiram. Nous respectons les awliya kiram. Pas seulement depuis l'époque de Sayyiduna Abdul Qadir Jilani. Sayyiduna Abdul Qadir Jilani, radiallahu ta'ala, certainement Ghawth Pak, certainement Qutb et Ghawth, certainement sultan parmi les grands awliya, certainement tout cela est grand alim. Mais depuis Sayyiduna Abu Bakr al-Siddiq radiallahu ta'ala an, les sahaba, les tabi'in et même les awliya qui étaient des époques des anbiya kiram alayhi salam d'avant, nous leur devons respect parce que cela ils marchent sur le chemin des anbiya alayhi salam. Et si nous avons nous à l'occasion d'un urs d'un waliullah ta'ala un exemple à prendre, une leçon à apprendre, c'est apprendre de leur akhlaq, c'est apprendre de leur générosité, c'est apprendre de leur sincérité. Et une affaire très importante, ce cœur-là, comme il le dit sallallahu alayhi wa sallam, at-taqwa ha-muna, at-taqwa ha-muna, la piété c'est ici, la piété c'est ici.
Et lorsque les Aulia, ils sont au modèle du Sahabi Karim, radiallahu ta'ala an, pour qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'il est dans Al-Jannah. Et Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu an, il va lui rendre visite pour savoir qu'est-ce qu'il a de particulier. Ni il faisait Qiyam al-Layl comme les autres, ni il faisait des roses jour après jour comme les autres. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as de particulier? Il lui a dit, jamais je passe la nuit avec rancœur dans mon cœur. Jamais je passe la nuit avec rancœur dans mon cœur pour un musulman, pour un mu'min. Car les critères du mu'min, walidullah, taqi, c'est ça même. Et c'est sur ce chemin que les grands ulia, Sayyiduna Abdul Qadir Jilani radiallahu anhu, ou Sayyiduna Malik Nawaz radiallahu anhu, ils ont marché afin de gagner cette wilaya. Et ça, c'est parce qu'ils étaient comme Allah Ta'ala l'a ordonné, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Wa subhanallah, wa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allah Ta'ala alam wa hakim.